Salut tout le monde, c'est Narpi et on se retrouve pour l'ultime épisode de Pokémon Ruby sur ma chaîne YouTube puisqu'on est sur la route qui mène au Conseil des 4, donc à la Ligue Pokémon. Et je vous montre rapidement, j'ai fait monter mes Pokémon tous niveau 60. Alors je vous explique, c'est très simple, parce que là vous allez me dire « Mais comment que t'as fait? C'est pas possible, il y a peu d'écart entre le précédent épisode et celui-ci. » En fait c'est simple, c'est que entre la diffusion de la vidéo et le moment que je tourne, eh bien il y a à peu près une semaine, donc... Et même entre le précédent épisode, il y a une semaine, donc j'ai eu le temps de bien bosser sur le jeu et de faire monter mes Pokémon, parce que je me suis dit, c'est la Ligue Pokémon, j'ai pas envie que ce soit des combats merdiques, où j'arrête pas de me plaindre que je suis en train de me faire péter les fesses, donc je les ai fait monter niveau 60. Je pense que ça va être pas mal, là, que je devrais pas avoir trop de soucis, j'espère, parce que vu que je suis pas très fort, on va voir ça, mais ça va être très drôle, quoi, ça va être épique. Donc là, on va entrer dans... la route victoire, voilà, c'est le début, donc on entre dans la grotte. Et puis aussi, l'épisode va être assez long, donc installez-vous bien, tranquillement, vous allez voir, on va bien se marrer ensemble. Donc là déjà, ça commence, il y a des Pokémon. Voilà, je vous avoue, je suis déjà allé par là hein, pour monter mes Pokémon. Ça, je pense que vous en doutez quand même, mais voilà, il y a aussi pas mal de dresseurs que j'avais pas affrontés et que du coup, je me suis fait plaisir. Hein. Donc là, vous entendez la musique épique. Voilà, là premier dresseur, j'ai pas voulu tous les battre, donc dans cette grotte j'ai pas touché. Cette route difficile et sans fin porte bien son nom de victoire. Et ouais, voyons voir qu'est-ce que t'as à nous proposer. Mais bon, je pense que niveau 60, je vais tous les rétamer, hein, les dresseurs que je croise. En plus, elle a qu'un Roselia. Donc c'est nickel, on va lui faire un petit pied brûleur dans la gueule. Hop là, plap, 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 plouf. Voilà. Coup critique en plus. Oh, c'est parfait. Mais déjà niveau 44, hein, je veux dire, ça rigole pas. Voilà, voilà. Ton style de combat est génial. Bon, génial avec 3 petits points, donc ça se voit qu'elle est deg. On s'en fout. Bon, j'ai toujours mes Pokémon de base, je veux dire, j'ai mon Kadabra qui a flash, ça va être utile dans cette grotte. Toi, tu te dégages, voilà. On va affronter que les dresseurs. Ah ah, ça commence. Où es-tu? Tu es là. Flash. Yo! Oh yes! Ah ah! Déjà ça commence. Non, on va plutôt le pousser. Pousser comme ça. Ça, il va être dans le coin, il va plus gêner. Et puis n'hésitez pas à réagir en commentaire si ce let's play vous a plu. Parce que oui, c'est vrai que je pourrais aller encore plus loin après la Ligue Pokémon et m'attaquer au légendaire. Mais bon, c'était pas l'objectif de ce let's play, c'était surtout vous proposer l'histoire du jeu. Donc là, c'est encore l'histoire, la Ligue, c'est l'histoire. Il faut être le top dresseur de Hoenn, donc c'est ce qui va se passer. Mais dites-moi si jamais vous serez intéressé pour un autre let's play sur Pokémon. Peut-être, hein, je sais pas, je vais y réfléchir. Peut-être, je sais pas... J'ai peur de dire une connerie, mais peut-être une chaîne secondaire, j'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien les anciens Pokémon. Mais les nouveaux, j'arrive vraiment pas. Peut-être ils jouaient quand même avec un regard justement de mec frustré du slip, mais c'est tout quoi. Il n'y aurait pas trop d'intérêt. Parce que je suis pas fan de Pokémon. On verra, on verra. On va voir ce qui est possible de faire. De toute façon, moi YouTube, j'adore et je serai encore longtemps dessus tant que je peux quoi. Donc il y a des possibilités. Allez, toi tu dégages là, fais pas chier. On est occupé, on est sur la route victoire. Dans la grotte. Et il faut arriver à en sortir vivant. Il n'y a pas de mystère à chaque fois, c'est toujours les mêmes combinaisons. Ah ah, la mère Teresa. Allez, viens là toi. Pour réussir à parcourir le monde qui te mènera à la Ligue Pokémon, il te faudra avoir la confiance de tes Pokémon. Et bah c'est déjà fait. Ils sont super contents de moi. On est super potos. Elle dit ça, elle a que un Pokémon. T'es pas trop fêché toi. Ouh, par contre, c'est un Kaoranit là. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Strato percute, on va voir si c'est efficace. Ouh, c'est pas efficace. Allez, on s'en fout, il va pas nous faire bobo là. Force cosmique. Il se soigne. Non, il se soigne pas. Défense qui augmente. Si, c'est un peu soigné aussi, non? Non, je sais pas, non, je pense pas. Vas-y, un pied brûleur, ça devrait bien passer. Voilà. Critique. Bon, j'ai équipé un objet sur mon KFC, c'est pour augmenter la défense spéciale.
pense que j'en aurais pas mal besoin quand même. Votre relation est basée sur une solide confiance. Aussi, j'ai enlevé... roulade sur Moussi. Je lui ai mis cascade parce que j'en avais besoin pour accéder à cet endroit. Et ça me faisait un peu chier, franchement. J'ai hésité à enlever plongée, mais... plongée, ça peut quand même servir en combat. Et puis après, ça sert dans le jeu, mais bon... honnêtement, on en a plus besoin à partir de là. J'ai quand même gardé, donc du coup, il a que des attaques haut. Il y a surtout hydrocanon qui est utile. Malheureusement, j'ai pas pensé acheter des trucs pour récupérer des PP. Donc, on verra ce qui est possible de faire. Ah bah voilà, voilà, il suffit de parler, PP+. Vas-y, sac. PP+. Oui, bon, je crois que ça donne qu'un PP, du coup. C'est un peu la chiasse, mais bon. Voilà, on va vérifier ça. Moussi, moussi, moussi que j'aime. Résumé. Voilà, 6 hydrocanons, c'est déjà mieux quand même. Il n'y a plus rien, je crois. Si. Oui. J'ai même pas eu besoin de le faire, mais c'était juste quand même pour me rassurer. Bon, je pense qu'il faut que je traverse le pont. Parce que là, je suis passé. Ah ben bah, regarde le gond. Tu dégages, mon coco, j'étais déjà. Donc, ça, pas besoin. De toute façon, tous mes Pokémon là sont évolués. J'ai Caillou qui évolué, j'ai Moussi, Palmi il a pas d'évolution, Kadabra, Crouton il a pas d'évolution et KFC c'est bon aussi. Donc là on est au max. Hein. C'est la puissance. Ah, c'est peut-être là alors. Ah oui, oui. Avoir beaucoup de badges ne suffit pas. Et il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Ce sera pas toi déjà parce que je vais te battre. Je vais te battre. Il y a que des trapelots dans cette grotte, c'est pas possible. Ça, blaireau. Ce blaireau. Quel blaireau. Vas-y, on va lui faire toujours un pied bouleur. Parce que de toute façon, c'est ce qui coûte le moins. Enfin, ce qui coûte le moins. Je devrais pas parler, utiliser ça, mais je veux dire qui consomme qu'un PP sur un total plus conséquent. Parce que les autres, c'est 5 PP, je crois. Non. Oh, il est trop beau. Ouais, 7 PP sur 10, alors que là j'en ai que 6. Donc, bon, t'es joli, t'es très très joli, t'es majestueux, mais je vais te buter. Eh oh! Tu te calmes. J'ai pas lu là, j'ai appuyé trop vite. Torche du fenard ennemi rend pied brûleur inefficace. C'est ça? Bon, ben on va faire autre chose alors. Le dialogue il passe trop vite, j'ai même pas appuyé en fait. Non, non, non. Me rends pas dingue, s'il te plaît. Méchant, 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 fenard. On va tenter une fois, si ça passe pas, je me pars. Enfin, je veux dire, je change de Pokémon. Oui, ça devrait marcher, ça. Allez, 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 oui. Sans la puissance, hein. Vous avez battu Top Dresseur Julie. Tu as un meilleur niveau que moi. Eh oui. C'est bien, tu me donnes du fric, en plus, j'espère qu'il y aura un shop. Acheter des élixirs ou des trucs comme ça. Ouais, c'était court. Hein. Je sais même pas si c'est par là que je dois aller. Je vais au pif. À tâtons, comme on dit. Non, 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 arrêtez de m'embêter. J'ai pas de repousse. Je crois que j'ai un max repousse, mais bon. Je crois que c'est dans le creux en haut là-bas. Ouais. Yes, max repousse. Il suffit que je demande un objet et ça se passe. C'est magique. Bon, il m'en restait quelques-uns, je pense. Max repousse. Ah, il m'en restait qu'un. Voilà. On va être tranquille pendant un petit moment. Le tout, c'est de ne pas se planter parce que ça dure pas longtemps. Hein. Et voilà, il n'y a qu'une CT29. C'est quoi la CT29? Vérifions ça tout de suite. Sauf que, est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit 29. Non, 29... Ah, psycho, puissante attaque psy pouvant baisser la défense spéciale. Mais ça, je crois que j'ai déjà. Hein. Je crois que Kadabra possède déjà. Ah oui, a pris, voilà, voilà, je me disais bien. Non, on se casse. On va aller par là. Ouais, si tant qu'il y a des dresseurs, je pense que c'est bon. On m'avait dit qu'il y avait un mob très fort. C'est de toi qu'il parlait? Non, 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 non. C'est peut-être. Comment il s'appelle l'autre bouffon là? C'est peut-être Timmy, voilà, parce que j'ai mis le... J'ai affiché, là, sur Internet, les Pokémon que possède le Conseil des 4, histoire de pas être trop à la ramasse. Et il y a Timmy.
donc c'est Timmy qu'on va rencontrer. Je sais pas à quel moment, ça j'ai pas regardé. Je veux pas tricher complètement, tricher un peu juste. Non, je veux quand même savoir le type des Pokémon que je vais affronter pour pas trop galérer. Sinon après c'est pas intéressant. Tentacruel, on va prendre Palmier. Changer un peu. Palmier avec ses bouboules là. En fait c'est des bananes mais c'est des bouboules. On va lui faire feuille magique. Oh 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 oh, te calme. Il a la classe aussi ce Pokémon, hein. Franchement il est stylé. C'est quoi encore lance-soleil, je sais plus. J'ai tellement peu utilisé. On va voir ça. De l'acide, c'est super efficace. Ah, je crois qu'il attaque après. Ouais, je crois que c'est ça. C'est une puissante attaque, mais c'est un retardement, quoi. Ah, et voilà. Ça devrait le tuer, quand même. Yes. Ça, il faut le faire en début de combat. Comme ça, tu testes. Et tu prends pas le risque de l'utiliser si jamais c'est la merde. Rhinocéros, oui. Non, c'était pas Rhinocéros, c'était Rhinocorn, je sais plus. Les noms des Pokémon, j'arrive pas à m'en souvenir. Rhinocorn, ouais. Bon, c'est un rhinocéros, quoi. C'est compris. Tiens, on va utiliser Cascade. On dirait qu'il a pété sous l'eau. Ouh, ça fait mal. Ouh, ouh, ouh. Eh oui. Eh oui, oui, ça fait mal. D'ailleurs, j'ai mal au dos. Moussi a gagné plein d'expérience. Eh ouais. La demi-portion est forte. Eh oui, tu te prends pour qui, toi? Ah, le, voilà le pont. Le pont magique. Il y a toujours un pont dans les jeux. Oh. Tu dois commencer à fatiguer. Non, tout va bien. Tout va très bien. Ah, top dresseur Caroline. Ok. Miss Dibule. Bon, ça va. Coup de pied dans sa gueule et c'est fini. Boum. Oh oh. Ça fait mal. En même temps, 17 niveaux de plus. Là, on les ressent. Ténéfix. Bon, on va prendre Crouton. Juste pour changer comme ça. Il va faire briller le ciel. Un peu saoulant l'animation. Ça y arrive trop souvent. Bon, Ténéfix. Est-ce que t'es sensible à des attaques sol? Séisme, on va essayer. Oui, bien sûr. Allez, allez, oui. Perfect. Crouton. Crouton, crouton. Aucun signe de fatigue du tout. Eh non. J'ai bien entraîné mes Pokémon. Je suis un top dresseur maintenant. Ah mais je pouvais remonter la cascade là. Putain de merde. Ah, il y a Jean-Kevin. Ah, il bloque l'objet. On s'entraîne tous ensemble avec les membres de ma famille. Je ne perds contre personne. Eh ben, si, là, tu vas perdre. Tu vas perdre, tu vas perdre. Vito, il envoie Eldel. Bah, Eldel, je vais le brûler. Même si ça fait très mal, il a pas intérêt à me faire son attaque. Non, c'est cruel parce que... Même si je suis plus haut niveau, on sait jamais. Allez. Cadabra. Cadabra, non. Je pense qu'un petit coup de pied dans sa gueule, ça va faire du bien. Ouais. C'était nul, mais ça tue quand même. Critique, donc voilà. Pas de soucis. Yes, niveau 61. Ça va vite quand même les niveaux. Hein. Avec sprint, non. Je pense que ça va lui faire mal aussi, le coup de pied. Même s'il est peut-être pas sensible, mais je crois qu'il est sensible. Ah non, normal, ok. Ça tue quand même. En même temps, là, je les vois une shot aisément. Tangalis. Non, mais si je crois que ça ferme un peu mal s'il me touche. Non, ça va, ça va. Ça devrait aller. On va faire une surchauffe, tiens. Boum. Eh oui. Pas mal. C'est super efficace. Oh yeah. C'est pas grave. Le combat est fini, de toute façon. On s'en fout. Voilà, c'est déçu là. Tu as un meilleur niveau que ma famille? Est-ce possible?
Eh oui, parce que ta famille c'est des beaufs. Ça le beauf, pas. Total soin, oh yes, c'est bon ça. Ah bah on est dans la merde. Il n'y a plus rien. Si, c'est de l'autre côté là. Hein? Ah, ok. Il y a sûrement un objet là. Ah oui, un élixir. Mais là, c'est pas sur le chemin. Ah là là. Est-ce que ça serait au-dessus là? Non, il n'y a rien. Donc il faut que je descende la cascade. Voilà. Ah ouais, c'était normal là. Non, je suis déjà passé par là. Oh putain de merde. Je me suis un peu perdu là. Est-ce que mon truc est encore actif, le repousse? C'est bizarre ça. Là aussi, il y a un pont. J'ai pas utilisé ce pont. La pensée que je me rapproche de la Ligue Pokémon. J'ai le track. Ok. Je crois qu'ils ont bien un A au début de la phrase, non? À la pensée que je me rapproche de la Ligue Pokémon, je stresse de la mort qui tue des poneys. Un Dorio. Je vais lui brûler les ailes, même si on n'a pas. J'ai brûlé. J'aurai plus de pépé bientôt. Là, c'était histoire de torcher le truc tranquillement avec KFC. Boum, 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 ils sont tous morts. Kadabra, non. On va lui faire à nouveau le pied, là. Le pied, même si c'est pas... Même si c'est pas sensible, au moins, il sera mort. Voilà, ce n'est pas très efficace, mais si, pour moi, c'est efficace. Boum! Galgon. Oui, on va prendre nous aussi. Allez! On voit ton Galgon. Voir s'il nettoie bien. On va faire surf. Oh, il tape en premier. Bah oui, forcément, un bris se fait pour ça. C'est de la merde. Ça sert à rien. Ou alors ça peut servir si tu sais que le Pokémon en face il reste que un PP. Comme ça tu fais ça et puis après il a plus de PP. Mais sinon je vois pas l'intérêt. Hein. Ou si jamais t'as besoin de soigner ton Pokémon et que c'est un truc à retardement, bah voilà tu fais ça. Tu fais abrier comme ça au moins il est soigné au prochain tour, mais bon. Par ça, kiff kiff hein. Bon vas-y on va éclater ça, je sais pas trop où je vais là. Je suis un peu dans la mouise. Oh non! Oh non! En plus, je suis venu d'ici. Ouais. Je crois que c'était un raccourci, en fait. Du coup, je suis tenté de retourner tout en haut. Enfin, de retraverser. Ouais, ouais, c'est là d'où je viens. C'est poisson! Poisson, c'est poisson. Vas-y, on va retourner là-bas. Allez, oust, dégage. J'ai dû louper un truc. Même sûr. Oh, de toute façon le repousse c'est chaud hein. Même mes cheveux là ils repoussent. Ça c'est un peu chiant. Ouais, je suis coupif. Rien, tu es en train de jouer bordel. Concentre-toi Narpi. Puis, en plus on est déjà à 18 minutes de vidéo, je suis toujours dans la grotte. Oh là 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 là. Bon, on va utiliser le dernier max repousse parce que là il y a trop de Pokémon. Ou attendez, je crois que j'ai un objet soi-disant qui repousse les Gugus. On va voir s'il marche. Parce que je sais que dans un épisode j'avais déjà utilisé et ça marchait pas vraiment. Hein. Alors c'était quoi? Objet tenu pour repousser les Pokémon sauvages. On va voir. Hein. Oui. Est-ce que ça marche vraiment? Ça a l'air. Pourtant j'avais déjà utilisé dans un épisode précédent et ça marchait pas. Mais non, ça marche pas cette merde, c'est quoi ce délire? Il y a un truc que je capte pas là. Ou alors c'est que dans les herbes, ou alors c'est de temps en temps. Possible. Allez, dégage. Je vais le garder encore un peu, on verra. Non, bah non, non, ça marche pas. Bon, ok, on va utiliser un max repousse alors. Casse-toi, connard! Max repousse, ça marche bien. On va repasser par là. Oui. Ah non! Attends, Marcel, attends.
Attends, Roger, bouge pas. On était en haut. Ok. Là, il y avait rien. Ok. C'était quoi cet étage de toute façon? Là, il y avait un Jean-Kevin. Ah, c'est peut-être là alors. Non? Non, ça me dit quelque chose. Là, on traverse le pont, il y a la grognasse. Ensuite, il y a de la flotte. Et si je descends là? Eh bien, il me renvoie en bas. Ah oui, mais de toute façon, il est là, le Jackie. Oh, Jackie, dis-moi pour passer, oh putain! Me fait chier là! Putain de merde de Jackie de merde! You! Ah! Je crois que j'ai trouvé là. Oh oui, ça sent bon, je suis jamais passé par là. Regardez, hop là, un duel! Je suis pas passé par là. Ce n'est pas encore là, ce n'est qu'une étape sur la route de la Ligue Pokémon. Ta gueule, ouais! Moi, je suis paumé, tant pis. Combat est lancé par Michel. Tarinor. Pokémon, ça sent. Ça sent le moussi, ça. Parfois, le moussi. Faire boum 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 dans ta gueule. Ça devrait être efficace. Cage éclair. Ah! Non. Ah, ça, c'est pas cool. On va quand même tenter un surf. Ça doit bien passer. Ah, tempête de sable, c'est pas cool. Vas-y, Moussi. Non, putain, merde. Non, t'es pas secoué, non. Arrête de faire le front. Et puis, oh, le bleu. Oui, ça passe. Est-ce que c'est efficace? Bah, bien sûr que c'est efficace. C'est un caillou, le bordel. Voilà, caillou est noyé dans l'eau. Un ludicolo, je sais pas ce que c'est, mais non. Peut-être un truc écolo, ça. Ah oui, il est écologique, lui. Avec sa grande bouche, là. Vas-y, on va lui faire un hydrocanon, parce que j'aime pas sa gueule. Ah, il a mal aussi. Ça, c'est con. Allez, sois pas paralysé, ce truc. Force nature. Ballon. Ah. C'est quoi, cette connerie? C'est rien du tout, ouais. Boum. Ouais. Ah oui, là ça se ressent que c'est pas efficace. Hein. Bon bah du coup c'est la merde parce que j'ai que des attaques hauts, donc on va changer. Allez! Sérieux? On va prendre Crouton, comme ça on va pas s'embêter. On va faire que du boum boum sol. Et voilà, comme ça enlève la tempête de sable au passage. Volvi, hop 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 hop. Tu me touches pas comme ça. En plus, c'est super efficace. Ah bah voyons. Allez. Allez Jean-Michel, laisse-moi taper. Séisme, es-tu efficace? Non, mais ça te tue. Ça la classe. Charmina. Non. À quoi c'est sensible comme là? On va faire séisme. Ouais, c'est bon, ça le tue. Bien sûr. Allez, dégage. Oh. On s'enfonce là. Je sais pas si c'est par là, hein. Effet de repousse de disciple. Non, putain de merde. On va être harcelé là. Putain. Plus j'ai pas d'attaque pour fuir le combat rapidement. Mais bon, en même temps, ça sert à rien quoi. Dès que le combat est lancé, ça fait chier. Il y a encore un pont à emprunter. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que je suis revenu en arrière là. Je suis revenu en arrière. Comment que c'est possible? Attends, il y a un truc que je capte pas là. Ah! Ça, ça sent déjà mieux. Vas-y. Hop. Hop là. En fait, je sais pas si je dois monter ou descendre, si le truc est plus en bas ou plus en haut. Oh, il fallait qu'il y ait un truc qui se cache en dedans, c'est un grave avalanche, je pense.
Non, c'est un Rakayu. Ouais, Rakayu, tu dégages. De toute façon, ils ont peur là. Ils sont obligés de fuir. Allez, on va monter. Ah, là, ça sent bon. Très bon, même. Non! Pas Makuhita. Dégage, Makuhita, dégage. Tu es hors service depuis longtemps. Ça sert à rien comme Pokémon. Voilà. Oh putain, c'est juste pour ramasser cette Pokéball, je rage. Parce que j'aurais fait ça, tout ça pour rien. Boost. Putain, j'aurais dû acheter le max de repousse. C'est casse-couille. Ah. C'est à nouveau un duel, à mon avis. Ouh. Un Ramboum. Non plus, tu m'intéresses pas. Ciao. J'ai fait ça plus d'une fois, mais la dernière partie est tellement longue. Il n'a qu'un Pokémon, donc ça va. Un Cacturne. Ouh, lui il va prendre feu. Il va prendre feu le coco. Bah oui, hein. T'as cru quoi? Pas très sexy en plus. Alors, tu crèves. Voilà. S'en fout, t'es mort. Yes, papa. Ah, yeah. Mon rêve s'arrête là, encore une fois. Ah, rêve encore une fois, alors. Et encore une fois, et encore une fois. Ah. Ouh. Tu dégages. Bim, bim. Pim, pim. Ouh. Le petit Timmy. Salut Narpi. Je parie que ça te surprend de me voir ici. J'ai fait le chemin jusqu'ici et c'est grâce à toi. Narpi, le fait de perdre contre toi l'autre fois m'a rendu plus fort. Je ne perdrai plus maintenant. Je vais gagner pour les Pokémon qui m'ont donné courage et force. Ok, me voilà. Bon petit gamin, tu arrêtes tout de suite, ok? C'est vrai que t'étais une grosse merde dans les combats précédents. On va voir si t'es fort maintenant. Dresseur Timmy. En plus, je me souviens, le dernier combat contre lui, je l'ai one-shot le bordel. Il a pas tenu 2 secondes. Bon, Altaria, ça devrait être sensible à pied brûleur quand même. Oh putain, mais KFC, sérieux. Il me reste que 2 PP et il faut que t'en loupes une des attaques. Pas bien ça. La prochaine a intérêt à passer. Hein. Allez. Voilà. Oh, c'est pas efficace. Oh putain, pourtant, ça c'était un truc que j'avais l'impression que ça prenait feu. C'était du pollen ou je sais pas quoi. Oh là 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 là, bah tu vas te manger un coup de pied, hein. Puis dans ta gueule. Hein. Oui, vas-y, soigne-le, on s'en fout. Super potion, aurait pu donner une max potion, là. Quoique, non, il a eu raison, mais... Allez. Qu'est-ce que ça avait écrit? Il était pas sensible, c'est ça? Non, ça va, ça passe quand même. Peut-être beaucoup d'esquive. Oh là là. Ce n'est pas très efficace. Bah c'est un peu la merde, hein. Une gonflette, ça sert à rien, mais... Aéropique. Avec gonflette, je peux arriver à refaire le coup de pied et faire en sorte qu'il est mort. Ça passe. Ou alors surchauffe. Vas-y, on va faire une surchauffe. Doucement, doucement, stop. Ouf. C'est Timmy, s'il vous plaît, c'est Timmy. C'est pas un champion non plus. Faut déconner. Yes! On va changer parce que là, ça va pas. C'est pas bon du tout. Ah, garde voir. Ah, je sais plus ce que c'est. Ça, je crois que c'est un petit truc, une petite merde. Une petite crotte. Crouton, vas-y, débarrasse-moi de tout ce bordel. Allez, montre-toi. Ah, oui, c'est l'évolution. Bah oui. Bon, t'es joli, hein. Mais. Séisme. Même si t'as l'air de flotter dans les airs là, bah non, sensible à séisme. Voilà, t'es mort. Allez, t'es mort, bien sûr que t'es mort. Cho. Roselia, non. On va faire déflagration. C'est une attaque feu. Ah, attention, ça passe. Je fais séisme, c'est bon, ça tue aussi. Bon, au final, l'épisode, je pense qu'il va durer 2 heures au moins. Très clairement, ça va être long. Parce que là, on est déjà à 30 minutes. Et on est que contre Timmy. Mais c'est pas grave.
Là, comme ça, c'est un bon gros chapitre pour atteindre la ligue Pokémon et devenir champion. Bon, après, non, ça peut être rapide, hein, parce que là déjà, Timmy, je l'enchaîne, alors... Voilà, ils tiennent pas longtemps, hein. Des séismes par-ci, des séismes par-là, et c'est fini. Lance pas la tête. Magneton. Non. Bon, je vais pas faire séisme, parce que ça va pas le blesser. Et qu'il vole. Par contre, ce que je peux faire... C'est une attaque normale. Ça devrait... Non, c'est quand même pas très efficace, alors que c'est pas un type normal. C'est-à-dire normal, c'est normal, quoi. Triple attaque, ça, c'est pas cool, par contre. Oh, c'est de la merde! Oh là là, la grosse merde! La grosse merde. On va essayer séisme, mais... Oh, oh, ça marche quand même. Alors, c'est pas de type vol. Oh putain, en plus, c'est super efficace. Je comprends pas, il y a aucun sens, quoi. Pour moi, séisme, c'est un truc au sol. Bon, après, c'est l'attaque qui s'appelle séisme, mais la catégorie sol, c'est plein de trucs, quoi. Bref. Waouh, Narpi, quelle force tu as quand même! Allez, il va encore me parler, je pense. Je n'ai pas réussi à te battre aujourd'hui, Narpi, mais un de ces jours, je t'aurai. Ta gueule, couillon. Et tu vas rester là, planté là? Oh! Et retourne voir tes parents, putain. Allez, les parents, ils sont inconscients de laisser un gamin comme ça dans la grotte. Il va se faire violer par les Ariyama et tous les autres bordels. Hein. Bon, c'est pas mon problème. S'il aime bien ça, tant mieux pour lui. Ça y est, Eternara, la terre de tous les puissants duellistes comme Narpi. Bon, on va soigner tout le monde déjà. Voilà, bienvenue. Bam, 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 bam. Bon, j'affiche vite fait ceci. Voilà. Il y a peut-être eu un petit écran noir, mais c'est normal. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super farmer. Encore merci et à bientôt. On va acheter des trucs pour régénérer les PP. Acheter. Sauf que si ça va, j'ai récupéré du fric grâce à tout le monde. Par contre, il en a pas ou quoi? Il se fout de ma gueule. Oh, le bonhomme. Il n'y a pas pour régénérer les PP. Un bouffon. On va prendre un max repousse. Même je suis pas sûr que j'en aurais besoin. Elle sort tous les PP et PV et le statut d'un Pokémon. Combien que je peux en prendre? Je peux en prendre 8. Ah. Non. On va prendre plutôt des hyper potions. On va en prendre 10. Même si j'en ai déjà, parce que j'ai déjà acheté plein de trucs hors caméra. On va prendre des total soins. Pareil, on va en prendre 10. Les rappels, on va prendre tout ce qu'on peut. 4, tout ce qu'on a déjà aussi. Normalement, là, je suis bien paré, là. Je suis franchement bien, là. Il ne devrait y avoir aucun souci. Bon, après, la difficulté va être croissante. Donc, on va voir, hein. Voilà. Donc, le prochain dresseur, il y a des Pokémon de type ténèbres. Je pense qu'on va garder... Ouais, on va rester comme ça. On va mettre KFC en premier. Ça devrait aller. À partir d'ici, seuls les dresseurs ayant obtenu les badges de toutes les arènes sont autorisés à entrer. Dresseur, voyons si tu as bien tous les badges. Dresseur, crois en toi et en tes Pokémon et en avant. Bah bien sûr, j'ai tous les badges, sinon je pourrais pas être là, j'aurais pas pu utiliser Cascade, ils sont trop cons ceux-là. C'est pas possible. Bon les amis, l'heure est grave. On va affronter le conseil des 4. Bienvenue adversaire, je suis Damien du conseil 4. J'aime la façon dont tu me regardes, tu vas sûrement faire un bon combat. C'est bien, vraiment bien. Bon, toi et moi livrons un combat comme on ne peut en voir qu'ici, à la ligue Pokémon. Vas-y, viens, viens là. C'est moi le champion. Viens là Damien. On n'a pas de surprise. Ah. Ok, tu commences comme ça, nickel. On va te faire un pied brûleur dans la gueule. Normalement, t'es sensible. Non, t'es pas sensible, mais ça peut te tuer. Bien sûr que ça te tue. Et c'est troll parce que la vie elle va doucement comme ça. Tangalis, je crois que j'avais du mal contre Tangalis, non? Je m'en souviens déjà plus. C'est cool. Tangalis, non, ça allait. Tangalis, c'est bon, pied brûleur. Boum.
Alors ensuite, 62, yes. Absol, non. Ça devrait aller. Tiens, on va lui faire un... On va tester si... putain, saisie. Pourquoi t'as la priorité? Attends que son ennemi attaque. Ok. Peut-être capturer l'attaque, non? Ouh, en tout cas, c'est efficace. Super efficace. T'es mort. Pas le temps de voir c'était quoi saisie. Charpedo. Non. Non, mais bon. On va tenter encore Stratopercute. Je vais éternuer. Super efficace. Peau dure du Charpedo ennemi blesse, c'est pas grave. Parce que là ça va. Ah bah ça non. Non. Il a perdu. Bon bah c'était rapide. Hein. Maintenant c'est le premier dresseur. Aucun souci. C'est torché. Voilà. Désolé pour toi Damien. Désolé. Vous avez battu Conseil 4 Damien. Alors ça te fait plaisir? J'ai perdu. Tant pis, c'était sympa. Ouais, c'était cool. Toute ta crête, elle est cool. Bon, écoute ce que le perdant veut te dire. Tu as ce qu'il faut pour continuer. Alors va dans la prochaine pièce et bon combat. Merci. Bonjour. Ha 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 ha. Je suis Spectra du Conseil 4. Je me suis entraîné au Mont Memoria. Là-bas, j'ai appris à communier avec les Pokémon du type Spectre. Oui, le lien que j'ai créé avec eux est très étroit. Bien, on verra si tu arrives à infliger des dommages à mes Pokémon. Ben, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, j'aurais peut-être dû changer. Parce que tout à l'heure, j'ai bien réussi à battre le machin Spectre avec Crouton. J'avais fait séisme. On va essayer ça. Ah bah, ça affecte pas. Voilà. Ok, donc les trucs là, ils sont pas censés pour le type combat. Ok, bon, on va prendre Crouton. Je vais faire séisme sur les bordels, ça devrait être pas mal. Des petits séismes par là, des petits séismes par ici et là. Allez, on s'en fout qu'il y a de la sécheresse. Malédiction. Il va me blesser, il va me faire mal. Ouh, j'ai peur. Bon, il va tuer mon Crouton. Je crois que c'est ça le bordel en fait. C'est qu'à un certain tour. Ouh, c'est ça? Est-ce que c'est à chaque tour? J'ai peur, hein. On va voir. On va voir si c'est à chaque tour ce truc. Parce que... Bon, pas le point. Terraclope, non. C'est quoi ce bordel? Ok, est-ce qu'il y a une clope? Non. Ah oui, mais j'ai déjà affronté en plus, c'est le même. Ok, il a déjà deux Pokémon identiques, c'est pas trop embêté. Ah ouais, c'est constant en fait. Oh putain, c'est de la merde ça. Ah, d'accord. Ok, je me mange aussi ça. Bon. Je pense qu'au prochain tour, il va falloir que je change. Ou alors je le soigne, mais ça serait un peu débile, parce qu'à chaque fois ça va me toucher. Brennet, non. On va essayer de placer encore une attaque. Un petit séisme encore, ça serait pas mal. Et puis après, je peux essayer peut-être Caillou. Ça serait pas mal, Caillou. Ah bah là, je suis obligé de changer. Bon, vas-y, Caillou, montre-moi ce dont tu es capable. Normalement, tu devrais résister à tout ça. Ballon. T'en fous de ton ballon. Allez, me casse pas les couilles avec ton soleil, il est plus là. Non, j'ai que du combat, j'ai du normal. On va essayer ça. Oh putain, ça va. C'est pas mal. Ça me fait un peu chier de permettre au Pokémon en face de taper, mais bon. Pas trop le choix là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Putain, le dialogue il passe trop vite, arrêtez là. Ah oui, connard. Bon, j'ai baissé sa défense, donc il y a moyen que ça le tue. Allez, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Oui putain, Caillou, t'es magique. Hop. Ténéfix. Non.
Un séisme serait bien contre lui, mais bon. Vu qu'il est maudit, mon Pluton, pas trop le choix. On va faire que de faire. Côté niveau 50. Oh là là, pas de soucis. Critique. C'est magnifique. Branette, non. J'ai déjà affronté. C'est faisable. Et c'est pas foulé, hein. Il a que les mêmes Pokémon là. Koyang. Oh, tu rates ton attaque. Psycho. Ah, ça par contre. Non, ça va. Ça va, on est bien. Allez. Oui. Oh, c'est parfait. Parfait, on a gagné. Spectra. Oh non! J'ai lancé le défi et j'ai perdu. Putain, comment qu'elle est habillée, ça n'a rien à voir avec les Pokémon qu'elle utilise, quoi. J'aurais plutôt dû utiliser des moussis. Toi aussi, un lien fort uni à tes Pokémon. Je n'ai pas voulu le reconnaître et forcément, j'ai perdu. J'aimerais bien voir jusqu'où ce lien si fort te mènera. Avance jusqu'à la prochaine pièce. Ouais, attends, d'abord, on va soigner Crouton. Donc, hyper potion. Ouais, j'en ai plein, oula. Hop. Ça suffira pas. Oh si, ça suffit. Je veux juste voir qu'est-ce que j'ai comme B, s'il y en a qui redonne un tout petit peu de... Ah, bah ça j'ai en PP, donc c'est... Ah non, mais c'est obligé de tenir. Faut le tenir, c'est de la merde. Ah, j'ai ça. Donc à la limite, je peux l'utiliser sur... sur Kaido, c'était 5, 6, 7... Ouais, allez. Même si c'était presque au masque. Max. Max, max, maximum. Ok. Bon, alors, qui on affronte ensuite? On affronte Glacia, type glace. Ouh là là, ça va être chaud patate. Chaud patate. C'est là que ça va être tendu. Parce que je sais pas du tout qui utiliser, hein. Franchement. Combat, ça serait pas mal, strato percute. Mais j'ai peur qu'il me blesse, quoi. Bon, on va voir, on va voir. Là on est pas trop mal. Bienvenue, je suis Glacia du conseil 4. J'ai fait le chemin jusqu'à Wen pour apprendre à mieux utiliser la glace. Merde, j'ai pas pris une voix de femme. Mais je n'ai affronté que des dresseurs et des Pokémon faibles. Et toi? Ça me ferait extrêmement plaisir de me donner à fond contre toi. Ouais, je suis un bon doubleur. Bon allez, montre-moi ce dont tu es capable. Un combat est lancé par conseil 4 Glacia. Un Oniglali. Gleg, 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 gleg. Ou glag glag glag, il fait froid. Ça te percute. Oui, ça passe. Est-ce que ça va le tuer? Et oui, boum, cassé en deux la glace. Oui, ça te tue. Oui, bien sûr. Bon, je sais, vous allez me dire, Narpi, t'as triché parce que tes Pokémon sont niveau 60. C'est de trop, c'est trop abusé. Bah oui, peut-être, peut-être. C'est vrai que je les ai trop montés. Je sais pas. J'ai hésité à m'arrêter au niveau 54 ou à continuer. Au niveau 55 ou à continuer. Mais je me suis dit. Autant aller jusqu'au niveau 60, c'est un chiffre qui est rond. Et puis c'est le niveau à peu près des dresseurs, surtout le dernier. Et je voulais pas vous montrer des combats pourris, mais le problème c'est que là, là du coup c'est trop simple quoi. Donc je suis désolé si vraiment c'est abusé, je suis désolé. Je pensais bien faire. Bon, après moi ça me dérange pas, je veux dire. Pour moi ça reste la Ligue Pokémon, même si c'est trop simple jusqu'à maintenant, c'est bien quand même. Bon, peut-être que j'aurais pas dû non plus regarder. On va dire, à partir de maintenant, je regarde plus, d'accord? Promis, là, je regarde plus quel dresseur je vais affronter. Même si ça change pas grand chose, parce que je peux changer pendant le combat. Hein. Donc, c'est pas non plus impactant, quoi. Parce que je sais forcément que côté Pokémon Glace, c'est plutôt de type combat. Je pars sur des logiques comme de la vie réelle, quoi. Mais des fois, ça me pose problème, parce que, voilà, pour moi, c'est séisme, ça passe pas sur... je sais plus non putain. Magnéti, je crois. Je sais plus. Bref. Oniglali et c'est fini. Voilà, parce que toi je t'ai déjà affronté. Boum. Bah dites-moi sinon en commentaire à quel niveau vous affrontez en général la Ligue Pokémon. Parce que je sais que sur Pokémon XY, et c'est sûr et certain, hein, parce que je me rappelle, mes Pokémon ils étaient à peu près niveau 60 quand je suis arrivé à la Ligue. Et je les ai torchés quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit.
Dans ce Pokémon, il est plus dur, il est encore plus dur que Pokémon XY. Alors, j'ai autant qu'elle est montée niveau 60 comme sur Pokémon XY, sauf que non, j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, après, ils sont pas si forts que ça. Tes Pokémon et toi, une telle chaleur se dégage de vos esprits. Ce débordement de chaleur est accablant. Je comprends pourquoi je n'ai pas réussi à vous affecter avec la glace. Eh oui, belle blonde. C'est comme ça la vie. Avance jusqu'à la prochaine pièce. Et là, tu comprendras pourquoi la Ligue Pokémon est si redoutable. Ok. On va voir qui nous attend. Là, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé. Bon, il y a des pics, peut-être... Après, c'est un marin. Il a l'air d'être un marin. Dans le doute, je vais mettre... je vais mettre Palmier, tiens. Je sais pas, hein. Je suis le dernier du conseil 4. Aragon, le maître dragon. Ah, merde. À l'état naturel, les Pokémon sont des créatures sauvages. Ils sont libres. Parfois, ils nous font... obstacle. Parfois, ils nous aident. Combattre en s'alliant avec les Pokémon, tu sais ce que ça représente? Tu sais ce qu'il faut y parvenir? Tu sais... Ouais, j'arrive plus, là. Si tu ne le sais pas, alors tu ne pourras jamais me dominer. Je ne cherche pas de te dominer, je veux juste te battre. Eh bien, le Capitaine Dragon. Il est beau gosse, lui. Un combat est lancé par Conseil 4, Aragorn. Avec un petit air, ça faisait Aragorn, mais bon... Il avait pas envie, il avait la flemme. Bon, à quoi c'est sensible, cette merde-là? Peut-être justement au truc plante. Ah oui, bah si tu fais abri, on ne pourra pas le tester. Je sais pas, le type dragon, c'est rare d'en affronter. Ah ah! Pip, 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 chou. Ah bah non, c'est tout l'inverse. Oulala! Coupe, puis si ça marche pas, on se barre. On change. On va ranger le palmier. Non, tiens, petit pas. Eh hey, mais arrête avec ton abri là. C'est quand que tu commences à te battre? Sérieux, il est ouf lui. Bon, ben. Attends, l'inverse, ça serait le feu alors. Ou alors oracle. Vas-y, on va prendre oracle. Par contre, que 130 PV, putain. J'ai galéré à le faire monter oracle, hein, parce que c'est trop sensible. Je vais faire psycho, je vais faire monter la tête. Oh yes, toujours efficace, toujours. On va essayer de faire monter ses stats. J'aurais dû le faire là maintenant d'ailleurs, vu qu'il utilise tout un bruit. Putain merde, j'ai pas pensé. Liboubon. Ouh, ça va faire mal. Ah, vas-y, on va faire psycho, on va prendre le risque. Je crois au suivant. Allez, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Ah putain, ma chouille. Oh non. Non. Bonjour, bonjour KFC. Voilà, l'écart se réduit, hein, j'ai que 10 PV de plus. Pas énorme. Oh, 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 pas efficace. Ah, défense spéciale d'ess. Pied brûleur, pour voir. C'est pas, pas efficace. Ce n'est pas très efficace, effectivement. Bon, on aura essayé. Ni beaucoup. Bon, on va essayer le type combat alors. Strato percute, boum. Non. Toujours pas ça. Par contre, il n'utilise pas de potion ce con. Par contre, la tempête de sable, non, 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 non. Non, je veux pas. On va changer. Bouton, vas-y, enlève-moi cette tempête de sable. Peut-être un séisme alors, même si c'est un truc vol. Je sais pas, vu que c'est pas très logique avec séisme. Ouais, bah il creuse encore sous terre, donc c'est encore moins logique, hein, on est d'accord. Et il m'y creuse un trou. Ah, bah peut-être que séisme ça va marcher. Hein. On va tester. Séisme. Non. Pour moi, ça devrait marcher. Ouh. Les rayons du soleil sont forts. On va retenter. Ah non. Ah, avec lévitation, ok. C'est ça qui a fait. Bah oui, mais. Aucune logique. Hein. Le mec, il arrive à creuser sous terre. Puis là, je suis paralysé maintenant, donc c'est cool. Faire tranche, hein, on va essayer de le finir comme ça. Avec des tranches de pain.
Et oui. Oui, tu es mort. Tu es décédé. Il lui reste un Pokémon. Altaria, je sais plus ce que c'est que cette merde. Voulez-vous changer? Oui. Un petit moussi? Petit moussi, ça devrait passer. J'ai pas encore essayé les attaques haut. Ah non, il en reste deux Pokémon. Putain, on va pas vite, hein. Ouais, bon, ça, c'était pas sensible au feu. Donc ça devrait être pas mal. Altaria ennemi secoué par la tempête de sable. Attaque, 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 attaque. Non. Un peu quand même. Surf et boum. Oh putain, mais à quoi il est sensible, ce truc de merde là. C'est ouf. Hein, couillon. Non. Pokémon, caillou. Voilà, rien à foutre, on envoie le caillou. Est-ce qu'il est sensible au sable? Tempête de sable. Bon, ça, ça va, il résiste. Il est quand même niveau 54, hein, donc ça fait mal. Heureusement que c'est pas un type auquel je suis sensible. Ah oh, oui, il est pas sensible. Oh, parfait. Parfaitement parfait. Ah, tes conneries, tu vois bien que ça fait rien. Trouve autre chose. Oh yes, vas-y. Oh putain, presque. Allez, encore un petit coup. Même si je pense que là, il va le soigner. Là, c'est... Ouh, putain. Vas-y, on va faire... Force à plus de chance. Oh, t'es sûr, putain. Lui, par contre, il attend que ce soit dans le rouge. Hein. Guérison, c'est pété. Tic, 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 tic. On va faire bélier. Faire un peu bobo, mais c'est pas grave. Mais pas sur le Flugros. Ah, merde. Allez, tu peux y arriver, vas-y, oui. T'es mort, vas-y, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Oh putain, ça fait encore moins de dégâts que force. Du 4 rock peut-être. Non, je crois que ça passait pas bien. Type combat. Eh non, c'est la catastrophe. Oh yes. Petit coup de fer et c'est fini. Yeah, il est même pas paralysé, hein. C'est un warrior. Voilà. Qu'est-ce que t'as d'autre ensuite? Rattaque. Je sais pas ce que c'est ça. On va reprendre KFC. Ouh, il est mignon lui. Ah, par contre il fait baisser mon attaque. Ok, bon bah je vais te cramer. Donc surchauffe. Ça aurait bien passé ça. Oh putain. La folie. Le chou patate lui. Oh yo. Ma chou. Non, ça fait rien ça. Bon, ça fait mal quand même. Alors c'est pas. C'est fini, il n'est pas très efficace, mais. Ça fait mal quand même. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Bécitrus. C'est nul. Stratopercute, allez, dernier espoir. Il s'envole sur con la pute. Qui est pas sensible à ça? Pas le miel. Je sais pas c'est quoi la faiblesse des dragons. Franchement là, tant pis. Hein. Oh mais genre, mon Pokémon il peut voler lui aussi et pourtant il est sensible à vol. C'est quoi cette merde? Aucune logique. Hein. Bon, on va aussi voler, tiens. Ah bah là je suis mort. Il m'a tué mon panier. Pardon. Ok, bon ben... C'est peut-être un Pokémon feu alors vu qu'il fait lance-flamme. On va essayer Hydro-Canon, on va pas s'embêter. Oh putain, c'est quoi ça? Il est fort son dernier Pokémon. Hein, putain, mais c'est pas possible ça. Voilà, maintenant il va se soigner là. Ah, pas du tout. Ah oui. Bon, vas-y, on se casse. Prends deux...
Crouton, voilà, Crouton, même s'il est paralysé. Si là, il me fait une attaque feu, aucun souci, ça me fait rien du tout. Par contre, est-ce que ça, c'est l'avantage aussi? Oh putain, j'ai pas pensé, bordel de merde. Je crois, hein. Séisme, ah. Peut-être, c'est un dragon qui est par terre, là. Vas-y, putain, non! Oh. Mais c'est quoi ce Pokémon? Putain, merde. Je suis obligé de faire comme lui maintenant. Est-ce que j'ai un guérison? Ça, ça soigne tout. Putain, mais il me semblait que j'en avais un au moins. Non? Oh, j'en ai pas. Ok, bon bah. Hyper popo. Voilà. Donc. Oh, ça fait du bien ça. Ça sert à rien du coup les potions max. Enfin, il faut pas en acheter quoi. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire dans la gueule? Merde. Faire gonflette et après déflagration. Même si j'ai bien peur que l'un des deux ne va pas passer à cause de la paralysie. Et en plus, il va me buter d'ici là. Donc, voilà. Bon, ben on change. Hein. Putain, il me pose problème lui, c'est le premier Pokémon de la ligue qui me pose problème. Putain de merde. Sérieux, il me reste personne. Personne en état de le battre quoi. Ouais, ça c'est bon, vas-y, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Il ne me fait rien du tout. Voilà, presque rien du tout. Bon là on se concentre, on va faire d'abord... faire d'abord potion. Sur... Caillou, c'est peut-être lui qui est efficace. Caillou déjà. Voilà. Ensuite, je vais le faire sur KFC parce que là, il va me faire mal, très mal même. À moins que. Non. Je sais pas, est-ce que je tente gonflette? Non, parce que c'est une attaque vol en plus, il va me tuer ce con. Putain. Vas-y, on va prendre Caillou. Normalement, il devrait pas être très sensible, je crois. Ou alors j'étais des grosses conneries, je crois que j'ai une grosse connerie. Hein. Non, c'est bon, je dis pas de conneries. Je devrais arriver à le battre avec Caillou. En tout cas, je vais faire que de faire comme ça, je vais baisser sa défense avec de la chance. Oh putain, il fait mal quand même. Très mal. Ah, ça va, il est sensible. Ça lui fait bobo quand même. Et en plus, la défense qui a baissé, c'est parfait. Bon, du coup, je vais soigner Caillou. Une petite potion. Petite. Pas des petites. Non, pas des petites potions. Bon, ben, hyper. Ouais, je soigne de sa paralysie là parce que. Pas sûr que je vais attaquer tout le temps. C'est bien qu'il fasse vol. Comme ça, je le fais quand il fait vol. Mais là, à la limite, je peux le tuer si l'attaque elle passe. Mais là, c'est trop chaud, putain. Que je fais, est-ce que j'essaie de taper? Je prends le risque. Hein. Ah putain. Je pense que là il est mort. Hein. Non. Je suis capable de perdre. Oracle, vas-y, essaye de faire psycho, voir si ça passe. En plus, je crois que je l'ai avantagé avec ces putains de rayons de soleil de merde. De la merde. Ah, c'est bien. Vas-y, tue-le. Oui. Ah, oh, putain, j'aurais dû prendre Oracle beaucoup plus tôt. Putain de merde. Ouais. Vous avez battu Conseil 4 Aragon. Yes. Aragon. Superbe. Ça vaut la peine d'être dit. Yes, papy. Quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de Pokémon. Tu dois sûrement savoir ce qu'il faut. Oui, ce qu'un dresseur doit avoir, c'est un cœur vertueux. Les Pokémon touchent le cœur vertueux des dresseurs et apprennent le bien. Ils touchent le cœur vertueux des dresseurs et deviennent forts. Allez, en avant, le maître t'attend. Yes, on va affronter le maître, mais avant ça, on va soigner toute la famille. On va essayer des hyper, parce que là, on en a plein. Largement trop pour le duel qui nous attend. Boum,
On va faire toutes les grosses attaques. Donc 5 PP dans le genre là. J'ai encore 2 Pokémon à ressusciter. Avec rappel. J'ai pas de rappel max. Hein. Non. Rappel. Utiliser sur palmier. Je suis pas sûr qu'il va me servir à quoi que ce soit ce palmier, mais bon, on verra. Et sur caillou. Voilà. Hyper, et puis c'est bon. Ah non, c'est pas encore bon. Il faut que j'ai soigne Crouton. T'es encore paralysé, ce con. Allez, tiens, sale con. Prends-toi ça. Dans ta gueule. Mais t'es mignon. Je t'insulte pas. Voilà. On y est. On va sauvegarder ici, au cas où. Oui. 20h39 de jeu, quand même. Très long, Pokémon. Go! On va affronter le maître. Il y a des petites lumières, là. On y est. Ouh, mais c'est Pierre! Pierre, bienvenue, Narpi! J'espérais vivement te voir un jour. Ici, un jour. Qu'as-tu constaté durant ton périple avec tes Pokémon? Qu'as-tu ressenti en rencontrant tant d'autres dresseurs comme toi? Qu'est-ce qui a éveillé en toi? Qu'est-ce que ça a éveillé en toi? Fais ressortir tout ça en m'affrontant. Maintenant, c'est parti! C'est parti, les amis! Contre Pierre, le champion ultime, le maître de la ligue Pokémon! Maître Pierre, Hermure, Palmier, qui n'est pas du tout adapté à ce combat. Je vais quand même faire feuille magique, mais ça va pas être efficace du tout. En plus, Palmier, il est sensible aux attaques vol, ce qui est pas du tout logique, vu que ce bordel, il peut voler. C'est les mystères de Pokémon. Voilà, c'est pas efficace. On va faire vol. Pico, oh lolo. Des picots s'éparpillent autour de l'ennemi du Pokémon. Ok. Bon, ben, je crois que ça veut dire qu'ils vont voir Bobo. Je suis sûr que si je change de Pokémon, j'aurai mal. On va voir ça, j'ai envie d'essayer. Non, attendez, j'avais une attaque normale. Donc je vais faire coupe à l'infini. Jusqu'à ce qu'il me tue, puis voilà. Son palmier va me servir à rien, à mon avis. Oh là 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 là. Non, en fait, on va changer quand même. On va changer. Rien à foutre. Donc on va prendre... Caillou. Autant Caillou, au début de l'aventure, il était totalement inutile. Autant, maintenant, il est super efficace. Voilà, c'était les picots. Voilà, c'est quand tu changes, et ben, ça fait mal au Pokémon ami. Ah bah, lui aussi, il change. Vasilis. Ouh, c'est quoi cette merde? Alors là... En plus, il me reste que 3 PP pour que de faire. Oh putain. Ouh, c'est efficace. Gisga sans sou, ça sera pas efficace. Oh putain, quand même. Ah, coup critique, ouais, ça explique tout. Ah, c'est bon, normalement il va pas faire potion. Bah voilà, et en plus il est mort. Il s'est tué lui-même parce que dans le rouge, Lia elle lance potion. Et du coup là, Lia elle s'est dit non, il est pas dans le rouge. Et ben voilà, dans le cululu. Kaorin. Je sais pas ce que c'est. On va prendre Oracle. On va tenter de faire un petit psycho. Ça pourrait être pas mal. Psycho. Même si je t'ai affecté. Ah merde, c'est ça. Ouais, bah voilà. Voilà, c'est pas efficace du coup. Ah merde. Séisme. Ouf. Ça, c'est douloureux. Ça. Très douloureux. Extrêmement douloureux. Bon, bah KFC, vas-y, je sais que lui, tu peux le battre. Vas-y. Tape, pied brûleur. Brûle-moi cette merde. Ah! C'était peut-être le strato pied là. Strato percute. Voilà, parce que là il va le soigner donc c'est pas grave. J'ai le temps pour ça. Vas-y, KFC, vas-y. J'poum. Oh, mais non, c'est pas ça non plus, putain. Bon, en fait, je crois que j'avais buté normalement. Mais c'est juste que là. Eh bien. Il est plus fort, il est niveau 55 quand même. Ah, par contre, ça abusait là. Ça fait pratiquement que dalle. Hein. Ah oui, séisme, oui, bah forcément, séisme, c'est hyper puissant contre KFC. T'as cru quoi, mon pote?
Toi t'as la compote, vas-y on va faire surchauffe, faut taper en premier. Bon bah là il me tue mon KFC hein. KFC putain, tu fais chier sérieux. On va sortir Crouton hein. Vas-y Crouton, tombe pas dans la soupe, vas-y. On s'en fout que t'es blessé, t'es un warrior. Sécheresse, voilà. Bon, finalement, j'ai bien fait de monter mes Pokémon au niveau 60 parce que là, c'est chaud. Hein. Je galère. Séisme, on va essayer. Oh, mais pourquoi ils volent tous ces cons là, putain. Ah, c'est quoi mis en lumière? On s'en fout, on va faire déflagration, on va te faire tout péter. Voilà, il y a tout qui explose. T'es mort. Oui, voilà, t'es mort, c'est ça. Boum, boum, boum. Galoking, non, ça va. Non. Là, je vais pouvoir me reposer un peu, ressusciter certains Pokémon. Sac. On va faire un petit rappel sur KFC. Oracle, je pense qu'on va s'en passer. Hein. Non, on peut pas essayer, ça sert à rien. Je suis pas sensible. En plus, Galokick, c'est plutôt la défense, style de jeu, donc pas beaucoup de puissance. Là, j'ai quand même ressuscité Oracle. En tout cas, franchement, là, j'ai le temps, là. Il me fait que dalle. On s'en fout un peu de ces conneries. KFC, caillou et puis ce sera tout. Oracle, de toute façon, il se fait one shot donc il sert à rien et il faut juste lancer une attaque et voir si ça passe quoi. Et ouais, par contre, non, je ferai aussi potion sur Crouton dès que j'ai soigné caillou. Voilà. Allez! Oh putain, non! Non! Putain! Il fallait qu'il ait une attaque qui sorte de l'ordinaire juste à la fin quand je suis rassuré. Ah, l'enfoiré! Bon bah vas-y, Moussi. Tu lui lances Buldo. Non, t'as pas Buldo. Tu lui lances. Je sais pas. Par contre, avec la sécheresse, ça va être chaud. Hydrocanon, vas-y, ça devrait passer. Ça devrait suffire. Allez, 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 vas-y. Bon, au moins au prochain tour c'est bon. Ah non, pas Fatal Flow. Putain, il y a vraiment les attaques qui correspondent à ce duel quoi. Le mec il a tout prévu. Bon, ça va, si j'ai la priorité il est mort. Il va pas utiliser de potion. Non. Nickel Chrome. Boum. Voilà. Armaldo. Non. Je sais pas ce que c'est mais ça devrait aller. Ça a l'air de ressembler à Galoking. Donc on va faire plonger par précaution. Pouvoir antique. C'est quoi cette merde? Ah oui, en fait, c'est des Pokémon qu'on peut ramasser dans le désert. Ok. Ouh, il est sensible. Ouh, ça ne fait rien. Pouvoir antique. Bon, dans le doute, je vais le soigner. Hein. Là, je flippe un peu. On t'arrête avec ça. Ouh, il monte son attaque. Oh, le coquin. Allez, putain, ça monte tout ce bordel. Oh là 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 là. Oh putain. Ah ouais, ça monte tous les stats. Ok. Hydrocanon, vas-y! Oh, maintenant il a la priorité, il va me faire mal. Bah oui, il est plus puissant. Allez, crève, crève, connard, crève. C'est nul! Toi, c'est une attaque qui a pas beaucoup de PP, et là c'est de la merde. La merde totale. Mais là, il va me faire mal à chaque fois maintenant. Il risque encore de monter ses stats et son pouvoir antique. Il y a que ça comme attaque ou quoi? Sérieux? C'est bon, ça ne va pas monter son attaque. Donc un petit hydrocanon qui fait coup critique, ça serait pas mal pour le buter.
pour l'achever. Vas-y. Libre à quoi? Non. Sois pas sensible à... Non, c'est bon. Faut pas étourdi. Et bien sûr, ça passe pas, hydrocanon, pute. Tranche, non, ça va. Ça c'est bon. Hydrocanon, mais putain, Moussi! Tu me casses les couilles, là. Qu'est-ce que tu me fais? Tu t'es chié dessus, là, hein? Oh non, non! Allez. Moussi, tu m'énerves. Yeah. Bon, il risque de le soigner, son Pokémon, mais bon, du coup, j'en profiterai pour soigner le mien aussi. Et non. Il n'est plus confus. Oh, bah, c'est parfait. Ça va durer longtemps. Hein. Vas-y, t'es mort. Ouh, il y a des chances, en fait, qu'il le soigne pas. Donc, je peux attaquer, peut-être, avec Surf. Oh, mais il était pas dans le rouge. Pourquoi tu le soignes? C'est des guérisons, quoi. C'est pas des hyper potions, non. C'est des guérisons. C'est chaud patate, là. Mais en fait, je crois qu'il a plus de pouvoir antique. C'est pour ça qu'il en fait plus. Il a épuisé ses PP. Donc c'est cool, dans un sens. Oui, il a que tranche maintenant. Bon, tranche fait énormément mal également. Ça, c'est pas cool. On va peut-être changer. Prendre caillou pour faire baisser sa défense. Comme ça, après, je reviens sur Moussi et je lui fais des attaques haut. Ça, c'est une bonne stratégie. Parce que là, il va rien me faire comme dégâts. Ah si, Aeropic. Non, c'est bon. Au contraire, c'est parfait. Ah, en plus, Aeropic, ça aurait fait mal à mon Moussi. Donc tant mieux. Vas-y, que de faire. Ah non, vibre quoi, par contre, ça fait mal, ça. Ah oui, bien sûr. Bon, ça va, il résiste quand même, Caillou. Oh, il est sensible à queue de fer. Oh putain, putain de sa mère. C'est parfait. Allez, vas-y, t'es mort. Oh, il n'y a plus de pépé. Il n'y a plus de pépé, le pépé, il est plus là. Ah putain, j'aurais dû soigner les pépés. Je me suis dit, j'utilise qu'une potion, mais non, putain. Pas possible, ça. Bon, ben, c'est maintenant qu'on va... Ah, bah c'est parfait, voilà, c'est parfait. Bon, c'est là qu'on va faire soin des PP, si je peux, s'il me laisse faire. Le sac. Alors, c'était huile. Voilà. Nickel. Vas-y, tu peux le faire autant que tu veux. Je m'en fous complètement. Voilà. Boom. Laisse-moi faire que de faire. Et au prochain tour, je fais potion. Sinon, tu vas me tuer. J'ai pas envie que tu me tues, mon caillou. Oh putain! Yes! Caillou, t'es un génie. Moussi qui monte de niveau, parfait. Métallos, donc c'est l'autre que j'ai déjà affronté, non? Il a changé. Est-ce que c'est lui? On va voir. Je peux d'ailleurs régénérer les PP peut-être. Il manque un. Ah non, c'est un autre. Oh, mais c'est parfait, je sens que c'est pas mal. Si je fais. Surf, on va essayer au bout. Psycho, oulala. Ça peut tuer. Bah, bien sûr que ça va me tuer. Il faut vraiment que je soigne là. Oh, il est pas sensible ce con. Aïe aïe aïe! On va changer alors. Prendre KFC. Parce que là je pourrais faire. Peut-être. Ah! C'est. Oh putain. Ça c'est le combat maudit pour KFC. Le mec il a que des Pokémon efficaces contre KFC. Ça c'est pas cool. On va essayer quand même de soigner. Mais à mon avis, il va faire tout en séisme. Alors je vais pas faire séisme. Enfin, je vais pas faire potion jusqu'à ce qu'il ait plus de PP pour séisme. Ce sera un peu abusé là. Ah non, point météore. Ok, il est complètement hors sujet le mec. Wow, c'est pas très efficace, mais ça m'enlève quand même pas mal de vie. Bon, allez, je peux avoir la priorité. Son Pokémon est niveau 58, mais bon, je suis niveau 63. Donc on va tenter surchauffe. J'ai aucune certitude là-dessus. J'aurais dû faire peut-être le point, le pire. Ah bah non!
Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de problème. Tout va bien. Perfection. Armure, oui. Je vais prendre Oracle pour faire un psycho. Et après, je change. Enfin, je veux dire, de toute façon, il va mourir, donc je prendrai un autre Pokémon. Je sais pas lequel. S'en fout, de toute façon, là, c'est son dernier Pokémon. Il est foutu, foutu, je te dis foutu. Plus j'ai la priorité, donc c'est parfait. Ouais, c'est nul. Ouais, ça a quand même pas mal blessé, hein. Sa défense qui baisse, en plus. Aéropique, je suis mort. On s'en fout. C'est bien, Oracle. T'aurais quand même servi à quelque chose. Donc là, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre KFC. Si tout va bien, je lance une attaque, il est mort. J'aurai la priorité, normalement. Allez, vas-y, vas-y, laisse-moi taper. Surchauffe, vas-y, 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 vas-y. Oui, je suis le champion. Oui, oui, je suis le champion. Oh oui, le champion de la ligue Pokémon de Hoenn. Ah, c'est merveilleux, ça fait si plaisir. Il y a des années que j'attends ce moment. Vous avez battu Maître Pierre. Moi, le maître, j'accepte la défaite. Gloire à toi, Narpi. Tu es un dresseur Pokémon de grande noblesse. Yeah, yeah man. Félicitations. Les sentiments que tu as pour tes Pokémon et les Pokémon qui répondent à ces sentiments de toute leur force, tout ceci n'a formé qu'un seul tout et créé une puissance encore plus grande. Et c'est ainsi que tu as pu remporter la victoire aujourd'hui. De toute la région de Hoenn, tu es à juste titre le nouveau... La grognasse! Narpi! Voici un petit conseil avant que tu n'affrontes le maître. T'arrives trop tard! Hein? Quoi, quoi, quoi? Narpi, il se pourrait que... C'est déjà fait? C'est qui lui? Professeur Seco? Oula, putain, il a pris du poids! Tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit, Flora? Ne t'avais-je pas dit de ne pas te faire de soucis pour Narpi? Narpi, tu l'as finalement eu! Quand j'ai su que tu avais battu ton propre père à l'arène de Clémenti, je me suis dit que tu avais une chance. Mais réaliser que tu es maintenant le maître? Ah oui! Qu'est-il advenu de ton Pokédex? Laisse-moi voir. Voyons, tu as rencontré 135 Pokémon et tu as attrapé 19 Pokémon. Je suppose que tu as bien compris ça, mais désormais ça va devenir plus dur. Ouais, il doit être deg là. Je vais pas capturer beaucoup. Hein. Quoi qu'il en soit, félicitations! Entre fièrement dans l'ultime pièce. Narpi, le nouveau maître! Suis-moi! Je suis désolé, mais jusqu'ici, seuls les dresseurs qui sont devenus maîtres ont pu entrer. Vous allez devoir attendre à l'extérieur avec le professeur. Gémissement. Je plaisante, pas de problème, c'est le règlement. Narpi, sincère félicitations. Merci, elle est amoureuse. Elle est amoureuse, la meuf. Cette pièce, c'est là que les performances des Pokémon qui remportent les combats les plus difficiles sont conservées. C'est ici que les maîtres de la Ligue Pokémon sont honorés. Viens inscrire ton nom et ceux de tes partenaires de combat. On te reconnaîtra comme un des glorieux dresseurs de la Ligue Pokémon. C'est mignon. En plus, ils sont soignés, c'est cool. Regardez ça, c'est parfait. Narpi, le champion. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre. Numéro 150, palmier. Numéro 199, crouton. Numéro 040, oracle. Numéro 072, caillou. Numéro 056, moussi. Et numéro 006, KFC. Oui, bienvenue au Panthéon. En plus, j'avais mis un caleçon. C'est rigolo. Et ça, c'est moi, ça. C'est Mini Narpi. Non, Narpi. Numéro ID 10769, je sais pas quoi ça sert. Durée de jeu 20h et 57 minutes. Maître de la ligue, félicitations. Oh, c'est parfait. Et voilà. Et sur cette belle musique dans un pré qui est pas loin de la mer, eh bien, on fait du vélo. Voilà, on en a rien à foutre. On écrase l'herbe. C'est comme ça, on écrase des chenipans. C'est comme ça, parce qu'on est un maître maintenant. On domine le monde. Oh, ah, je suis le maître du monde de Hoenn. Bon, là, ça fait un peu flipper, donc on va arrêter ça tout de suite. Voilà, c'est les Pokémon que j'ai capturés. Donc, l'affiche va rapidement s'arrêter, parce qu'il y en a tellement pas du tout que c'est de la grosse merde. Voilà, c'est comme ça. Il y a des Pokémon que j'ai jamais utilisés.
Oh là là, si je les ai tous utilisés, mais bon, il y en a pas très longtemps, hein. Donc les amis, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ce let's play, vous êtes très courageux parce que c'était très long et ça m'a fait énormément de plaisir. Franchement, merci à vous de l'avoir suivi, j'ai pris un pied total à faire cette aventure. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est possible qu'il se passe des choses après, on ne sait jamais, peut-être un retour sur un jeu Pokémon, je ne sais pas honnêtement. Je sais pas, mais bon, rien n'est impossible. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la ligue? Finalement, je trouve que j'ai bien fait de les monter au niveau 60 parce que le combat final, il était plutôt sympa. Franchement, c'était plutôt épique, hein. Et quand même difficile. Donc j'aime bien quand la difficulté est bien dosée comme là. Donc c'était cool. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, à commenter pour partager votre ressenti sur cette aventure. Et donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc, jouez bien et portez-vous bien. Ciao, bye bye les amis!